nous allons remettre des prix, plusieurs prix. Et nous allons commencer par le Visa d'or du reportage humanitaire, soutenu par le CICR et la Fondation Sanofi Espoir. Cette année, le jury était composé de Didier François, d'Europe 1, Daphné Anglaise du New York Times à Paris, Magdalena Herrera de Géo, Jérôme Huffert de Paris Match, Cathy Forget de la Fondation Sanofi Espoir, Pierre Gentil du CICR et William, avant de remettre ton prix, je suis chargé par Didier François, qui était le président du jury, de te communiquer un message. Il nous dit « Chers tous, et en particulier cher William, je regrette profondément de ne pas être ce soir avec vous à Perpignan, mais je suis bloqué à Paris par l'actualité. Bravo à toi pour la qualité de ton travail, tant éditorial que technique, réalisé en République centrafricaine. Le Visa d'or humanitaire du CICR méritait à l'unanimité du jury de te revenir. Je profite de cette occasion pour rappeler que malgré les risques, la mort de Camille Lepage en RCA, l'exécution en Syrie de James Foley et de Stephen Sotloff, journaliste et photographe, doivent continuer à exposer la guerre, à en décrypter les mécanismes. C'est un devoir que d'y aller, car c'est notre métier. Ceci est également valable pour les humanitaires, qui s'exposent aussi et de plus en plus à de gros risques pour mener leur mission d'assistance et de protection des victimes. Bravo, bravo à toi, William, et bonne soirée. C'était un message de Didier François. Merci à tout le monde pour ce prix, Sanofi, CICR et tout. Et puis un merci très fort à Time Magazine qui m'a suivi depuis le début sur cette histoire, l'Express aussi, Al Jazeera America. Et puis un dernier merci à une personne qui malheureusement n'est pas là, c'est Camille Lepage. J'ai travaillé beaucoup avec elle dans mon premier séjour, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle avait beaucoup de talent, elle aimait beaucoup Perpignan, elle était là l'année dernière, elle avait rencontré beaucoup de monde. Donc voilà, je pense à elle et à sa maman qui est là ce soir et je crois qu'il y a son frère aussi qui est là. Voilà. Nous rendrons hommage à Camille demain soir. J'en profite, pardonnez-moi tout ce que vous voulez. Je vous rappelle que nous avons publié un bouquin de Camille Lepage que nous mettons en vente 10 euros. 10 euros, c'est rien du tout. Pour chacun d'entre vous, c'est rien. Ce bouquin est en vente à la Poudrière, ce bouquin est en vente au Palais des Congrès. Ce bouquin sera en vente demain soir au Campo Santo. On compte sur vous parce qu'avec l'argent que nous allons récolter, on va créer un prix Camille Lepage pour entretenir son souvenir et permettre à des jeunes photographes aussi talentueux qu'elle de continuer à travailler. Voilà. Merci. Achetez ce bouquin. Achetez-le. On n'a pas parlé tchèque. C'est bon ? D'accord.